Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est nous! C'est nous! C'est fermé, vous croyez qu'elle est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excusez-moi, vous êtes à la recherche de Cora? Oui, on la cherche. Est-ce que vous l'avez vue? Bah oui, madame, elle est partie très tôt ce matin avec son petit garçon. Quoi? Est-ce que vous savez où ils sont allés? Non, du tout. Ils ont emmené beaucoup de choses avec eux. Ils ont probablement dû aller chez son neveu à Manille. À Manille, hein? Est-ce que vous auriez l'adresse? Désolée, non. Veuillez m'excuser. À Manille? Mon Dieu. Comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver Cora dans toute la ville de Manille? Hallucination. C'est un effet secondaire de votre trouble. Ça commence d'abord par entendre de simples voix, jusqu'à que cela devienne une hallucination à part entière. Mais si vous continuez à bien prendre votre traitement, les hallucinations vont disparaître. Dites-moi d'où viennent ces hallucinations, docteur. Parfois, ce sont des vérités qui ont été enfouies, profondément dans notre subconscient, et vous voyez. Et donc, lorsque ces souvenirs difficiles refont surface, ils se manifestent sous forme de rêves ou d'hallucinations. Et pourquoi, dites-moi? Oui, dites-moi quelle voix est-ce que vous entendez habituellement? Qu'est-ce que vous essayez d'oublier, monsieur le maire? Est-ce qu'on peut en parler? C'est rien. Au fait, j'allais oublier. Nous visitons la maison des personnes âgées dans quelques jours, d'accord? Ce sera notre première apparition après l'incident d'Arnaldo, ok? Ça marche. Batch, je suis sûr que ta campagne sera un succès. On n'a pas besoin de faire grand-chose, tu as déjà maîtrisé la concurrence. J'espère que l'arrêt maladie du maire ira jusqu'à la fin des élections. Oui, mais en revanche, n'oubliez pas qu'on doit quand même tout donner à 100%, d'accord? Parce que les gens qui nous soutiennent le méritent sans aucun doute. C'est vrai, tu as raison. Ouais, c'est vrai, il faut rêver en grand. Camille, Anna. Diego. Alors, comment ça a été? Eh bien voilà, Cora n'est plus dans sa maison. Mais je ne compte pas en rester là. L'enquête sur Emilia ne se terminera pas si facilement. Je ne l'abandonnerai pas, Diego. Diego, j'ai peur de ce qui pourrait arriver lors de notre prochaine campagne. Je sens que les Ardientes surveillent chacun de nos mouvements, c'est évident. Rulio pourrait même bien aller au bout de ses menaces. Ne t'inquiète surtout pas. Mais restons tout de même très très vigilants. Nous ne reporterons pas la campagne d'un jour. Et puis en vérité, nous n'avons vraiment rien à craindre. Nous ne faisons rien de mal. En fait, c'est eux qui devraient avoir peur. Parce que leurs multiples victimes finiront par les chercher indéniablement. Tu as raison. Tu as bien parlé, Diego. C'est tout ce qu'ils méritent. Oui, tu as raison. Je dois lui dire quelque chose à propos de Ivy. Non, vous devriez pas lui faire confiance. C'est elle qui donne des informations sur vous au camp de Diego. C'est elle l'espionne de Diego au sein de la famille Ardiente. C'est pas vrai. Vous, monsieur le maire, vous devez savoir que Ivy est... Thank you.
ne devriez pas faire confiance à Ivy Aguas. Elle vous a menti. Vous ne devriez pas faire confiance à cette femme. Jenny? Jenny! Emilia! Emilia, attends un peu. Je peux savoir ce que tu fais ici? Eh bien, je t'attendais. Est-ce que je n'ai pas été assez claire? Je m'en souviens encore pourtant. J'ai dit que nous deux, c'était fini. Tu devrais partir. Emilia, attends, parlons de ça, tu veux bien? J'ai bien compris ton point de vue et tu as raison. Je ne devrais jamais te mentir. Mais bon... C'est Nathalie qui m'a poursuivi, d'accord? Tu veux un prix? Mais je n'ai rien fait avec elle. Je l'ai renvoyée parce que c'est toi que j'aime. Et où s'est terminée votre course-poursuite, dis-moi? Sur le lit? Mais non, pas du tout. Tu es ma femme et c'est toi que j'aime, Emilia. Je l'ai laissée courir toute seule. Allez, viens, on peut régler ça, non? Garde, escortez cet homme dehors, d'accord? Et assurez-vous qu'il ne revienne plus jamais ici. Emilia. C'est à ton tour, Raoul. Est-ce que tu as bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Je pense que le médicament que la psy m'a donné m'ont fait beaucoup de bien. Quelqu'un est entré dans ma chambre cette nuit. C'est peut-être les infirmières, les femmes de chambre. Il y a beaucoup de monde dans cette maison. Est-ce que tu veux que je les appelle tous ici? Non. Non, non, c'est bon. Je vais juste m'assurer que celui ou celle qui a fait ça ne pourra plus recommencer à l'avenir. Et si c'était moi qui étais entré dans ta chambre? Est-ce que ça irait? Arnaldo. Tu as prévu quoi aujourd'hui? J'aimerais bien aller nager un peu. Moi, je dois aller faire un tour à Manille. Je dois aller à mon siège social.
J'ai un peu de travail à faire là-bas. Tu vois. Mais les gardes du corps ne sont pas là aujourd'hui. Personne ne t'amènera là-bas. Mais non, ça ira. Je sais encore conduire, fais-moi confiance. Je sais parfaitement que c'était toi, Arnaldo. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, espèce de monstre ? Non. Ivy Aguas ne peut pas quitter la maison. Elle doit rester ici, parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Non ! Elle s'est partie ! Elle s'est partie ! Arrête ça ! Arrête ça ! Calme-toi. T'es malade ! Non ! Non ! Ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Non ! Tu ne mourras pas encore. Tu ne mourras pas encore. Non, 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 non ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ? T'es trop bruyant ! Je vais mettre faire tout ça, hein ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vois. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parfois, je pense que grand-père a raison. Tu es trop faible. Maintenant, laisse-moi prendre le contrôle. Et je m'occuperai des affaires. Je vais prendre soin d'elle pour toi. Pour nous ? D'accord ? Je vais m'occuper de tout. Si Arnaldo va vraiment bien, alors pourquoi ne fait-il pas une apparition ? Où est-ce qu'il est, en réalité ? Hein ? Mon fils va très bien, ok ? Oh, mais qu'avez-vous entendu d'autre ? Que lui et Ivy Aguas vont se marier de nouveau. C'est apparemment, vrai ? Ils se sont enfuis. Quelqu'un les a vus à Tagaytay. Alors, c'est vrai ou pas ? Mm-hmm. C'est vrai, oui. Ils passent du temps seuls en ce moment. On pourrait parler d'autre chose. Quoi d'autre ? Quelles autres rumeurs circulent ? Et à propos de Raoul, comment se passe votre divorce ? Tu sais quoi, on devrait manger. Tu vas me faire perdre l'appétit. Attendez. Ah ! Ne me touchez pas ! Je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis désolé. Et qui êtes-vous ? Je suis Jerry Dilamanta. Je voudrais m'entretenir avec le maire. Vous avez pris rendez-vous ? Non, madame. Alors vous ne pouvez pas lui parler. Et est-ce que je ressemble à sa secrétaire qui prend ses rendez-vous ? Dites-moi ! Excusez-moi, monsieur. Nous ne sommes pas une église ouverte à tout le monde, vous comprenez ? Nous sommes occupés ! Oui, madame. Fermez la porte ! Fermez la porte ! Plus vite ! Maman, il y a un changement de plan. Je vais quitter cet endroit au plus vite. Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Lily ? Tu n'as pas passé un accord avec l'Ardiente ? Arnaldo a essayé de me tuer la nuit dernière, maman. Comment ? Je ne l'ai pas vu, mais quelqu'un est entré dans ma chambre et a essayé de m'étouffer. Pendant que je dormais, et je sais que... C'est Arnaldo, j'en suis sûre et certaine. Il est le seul qui soit capable de me faire ça. Quel salopard, cet Arnaldo, je te jure. Tu as fait le bon choix. Éloigne-toi le plus vite possible de lui. Reviens vite ici, Lily. Oui, oui. Au revoir, maman. Thank you.
comme ça, tu veux tester ma patience, Arnaldo. Cœur, tu es revenu. Timing parfait. Je suis en train de cuisiner ton plat préféré. Steak pour deux. Je sais que je suis un peu rouillé. Mais je sais comment préparer ça, donc... Détends-toi. Je sais que tu vas adorer. Laisse-moi te servir. Et voilà. Ok. Ça semble bon. Est-ce que ça va? Oh! Attends. Je suis vraiment désolé. Du vin. J'ai failli oublier. Et voilà. Ça, c'est parfait. Avec un steak. Voilà. Bien. Mes pneus sont à plat. Comme si quelqu'un ne voulait pas que je parte d'ici. Vraiment? Eh bien, tes pneus étaient peut-être usés, c'est pour ça qu'ils ont lâché, non? Tu ne crois pas? Où sont passées les infirmières et les femmes de chambre? Les infirmières, les femmes de chambre? Congédiées. Tu les as renvoyées? Quand ça? Il y a un moment. Tout le monde? Ouais. Tu m'as dit que quelqu'un était entré dans ta chambre, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que ça devait être les femmes de chambre ou les infirmières qui avaient fait ça, donc je les ai envoyées. Et en plus, nous n'avons pas besoin des infirmières, parce que je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment bien aujourd'hui. Je ne sais pas, et nous n'avons pas besoin de femmes de chambre parce que je peux prendre soin de toi. Ok? Oh, et les gardes du corps ne seront... pas de retour avant longtemps pour t'accompagner. Donc, je pense que tu devrais annuler ta réunion. D'accord? Bien. Parfait. Fini. Trinquons, tu veux? Santé. Et si c'est le cas, je serai là, compte sur moi. Non, Diego. Je dois savoir ce qui se passe avant. Il a vraiment changé dernièrement. Je dois savoir pourquoi il agit aussi étrangement. Ivy, s'il te plaît. C'est trop dangereux, tu entends? Arnaldo ne pense pas normalement. Va-t'en vite d'ici. Diego, je dois faire ça, d'accord? Tu me comprends? Ivy, fais attention à toi, d'accord? Merci bien. C'était juste. Tu as seulement fait ce qui était juste. Tu as eu raison d'empêcher Ivy de partir parce qu'elle doit payer pour tout ce qu'elle t'a fait. Elle ne peut pas s'en tirer aussi facilement. Non. Elle ne peut pas. Je l'aime, d'accord? Et tu sais quoi? Elle m'aime aussi. Non.
Elle-même, je le sais, elle ne peut pas faire ce que tu l'accuses d'avoir fait. Non. Tu es cinglé, vraiment. Elle ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé. Elle ment, elle se sert de toi, ainsi que le reste des Ardientés. Mais puisque tu es aveuglé par ton amour pour elle, tu ne peux pas voir la vérité. Tu ne peux pas voir qu'elle monte juste un spectacle pour pouvoir se venger de toi et du reste de ta famille. Quoi ? Non mais qu'est-ce que tu racontes, hein ? La vengeance ? Tu ne sais rien du tout. Rien, rien. Absolument rien. Tu ne sais rien. Vraiment ? Moi, je la connais, la vérité. Je la connais depuis un certain temps maintenant. Je sais qu'Ivy Aguas et Lily Cruz sont la même personne. Non. Non, d'accord. Toi. Toi. Tu n'es pas réel. Ok. Ryan Toussaint n'est réel. Tu n'es pas réel. Tout est dans ma tête, tu vois. Je suis intelligent. Plus intelligent que toi. D'accord ? Et je ne te crois pas. Non. Non. Tu connais la vérité, Arnaldo. Je suis allé au manoir pour te voir, mais tu m'as tué avant que je ne te dise tout. Tu as choisi de me tuer au lieu d'accepter la vérité. Elle se sert de vous, monsieur le maire. Vous devez savoir que Ivy... Tu n'as aucune preuve, ok ? Tu n'as aucune preuve ! À moins que tu me prouves tout ce que tu avances à propos d'Ivy, je ne te croirai pas. Je ne te crois pas ! Non. Non, tu ne vas pas gâcher tout ça, compris ? Non. Non. Arrête de te cacher la vérité et commence à lui faire face avant qu'elle ne t'assomme, Arnaldo. Ouvre les yeux, tu veux ? Ouvre-les. Et tu verras qu'il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à tes souffrances. Juste un. Tu dois tuer Ivy Aguas. Non. Tu l'as. Non. Tu l'as. Ça n'arrivera pas, compris ? Ça n'arrivera pas, d'accord ? Ça n'arrivera jamais, c'est clair. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que t'as entendu ? Jamais. 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 Non. Non.